Salut à tous, bienvenue sur Batman Fitness. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va tranquille. Ça va, alhamdoulilah. Donc, dans le sport, il n'y a jamais d'échec. Il n'y a jamais d'échec dans le sport. On peut tous réussir dans tout type de sport. Je fais de la musculation, je vous parle de la musculation. Il n'y a pas d'échec. Le seul échec, ce sont les critiqueurs, les jaloux, les hypocrites et les grosses merdes. C'est cela les échecs. C'est cela l'échec dans le sport. Les haineux. Il n'y a que ceux-là qui sont en échec. Au moins d'échecs, ceux-là. Ceux-là, je m'en bats les cacahuètes. Donc, n'aie pas peur. Quand on débute, même si on est confirmé, on est habitué à faire de sport, donc dans votre tête, l'échec n'existe pas. L'échec, ceux-là qui se disent que je suis en échec, donc ceux-là qui a peur ils se disent. Ouais, j'ai peur de me taper la honte. Non, mais non, non, dans le sport, on se tape jamais la honte dans le sport. On s'améliore toujours ce qu'on fait. C'est comme dans la vie, les erreurs qu'on fait dans la vie courante. Dans le sport, on fait des erreurs, mais on rattrape vite l'erreur. Sans penser de l'échec, parce que l'échec, ça va vous faire descendre en bas de l'échelle. Quand vous descendez en bas de l'échelle, c'est que c'est Knecket Moi, Batman Fitness, moi j'ai un mental d'acier. J'ai la fierté pour ce sport et je suis content. Faut investir, s'investir sans penser à l'échec. Parce que si on pense à l'échec, on va couler. On ne pourra plus avancer. On va toujours rester intrigué sur la chose qu'on est coincé. Il faut foncer. Je vais prendre comme exemple, vous démarrez votre contact de la bagnole, vous la démarrez directement, vous faites marche arrière. Donc, vous démarrez, puis vous partez. Le sport, faut que le sport, ça soit comme ça. Surtout la musculation. Donc, l'échec ne doit pas vous perturber. Il faut laisser de côté, il faut foncer avec la peur ou pas la peur. Ça fait partie du sport. Ça vous rend plus motivé et plus focalisé et plus à y aller dans les salles de sport. Moi, je conçois comme ça parce que moi, j'ai été la première salle que j'ai été. Je me rappelle la première salle que j'étais chez Génome 4 à Vieux-Charmont. J'ai fait 15 jours. Après, j'ai arrêté. Après, la deuxième salle que j'ai fait l'Orange Bleu Montbéliard. Ça y allait. Moi aussi, j'avais peur des regards. Je me dis l'échec. Je me rappelle, j'avais des courbatures. Je faisais n'importe quoi pendant une semaine, j'y allais plus. Je m'en souviens, mon échec qui m'a poussé de rester motivé. Je me rappelle, je suis rentré dans la salle, tellement il y avait du monde, je me suis barré. Il y avait trop de monde, je m'en souviens de ce jour-là. Donc, après un moment donné, on a peur, on fonce. On se dit, on se muscle pour nous, on se muscle pas pour les gens. De toute façon, on est jamais aimé. De toute façon, que vous allez, qu'on soit aimé ou pas, c'est pas mon problème. C'est de la saloperie de merde. Des saligauds. Donc, laissez ça de côté, soyez fort et vous allez voir,
et vous allez voir que vous allez choper des résultats. Donc, no pay, no pain, no pain, no game, les game, motivation, et je vous dis, pas d'échec, ce sont des critiqueurs, les jaloux, les moqueurs, les moqueuses, c'est tout cela l'échec de la vie. Échec égale déchet. Allez, big chest, big cube, big arm, à la prochaine. Bye bye.